En nous éloignant, nous avons vite compris que nous avions tout perdu, qu'on nous avait tout pris, et que je ne connaîtrais jamais mon père. Nous sommes partis en exil en janvier 1939. J'avais à peine 2 mois. Ma mère me portait dans ses bras et me protégeait avec son corps du froid des bombes qui nous poursuivaient et de la neige sur les routes. En France, les camps de concentration nous attendaient et une nouvelle guerre commençait. Mais en réalité, c'était la même guerre qui avait emporté nos rêves de changement. Nous avons appris à survivre, seules, toutes les deux, parmi des milliers de réfugiés. Plus jamais nous ne serions séparés. Des fleurs sous la glace. Vivre, c'était résister.